nous présente ici son cinquième produit, sachant que le premier a déjà gagné sur le charmant hippodrome voisin de Segré. Donc la nièce de Vent Sombre et All Black par Bantoussi, c'est le numéro 24 sur le chemin du choix QPS. Et sur l'île de l'Anjou Folchon, on est passé au numéro 26. Et c'est Jean-Michel Pécot qui nous propose ce fils de Clovis Duberlet, le jeune étalon du Haras du Lion par King's Theater, magnifique étalon qui a beaucoup de modèles. Ah ben ça c'est un pur croisement du Haras du Lion, parce que Clovis Duberlet, la mère est par Balco. Mère Black Tip, oh là là, la mère elle est Black Tip. Et en obstacle en plus. Quatrième du grand cross, du grand steeplechase de cran, Miralka. Et c'est la famille d'un cheval qu'on a tant aimé, qu'on apprécie toujours, c'est Posilox. Évidemment, héros du Francis Angeleur Challenge, qu'il a remporté à deux reprises sous la férule de William Menuet. Deuxième produit de Miralka. Ah ben il est parti. Ah non, il revient. Deuxième produit de Miralka, présenté par Lester en personne, parce que Lester, évidemment, c'était le surnom de Jean-Michel Pécot quand il montait en course. Pourquoi Lester? Parce que Lester Pécot. Elle est bonne, hein? C'est vrai, elle est bonne. Allez, Jean-Michel qui fut un très bon jockey d'obstacles et qui désormais est un éleveur avisé, qui nous propose ici un joli pédigré avec ce petit neveu de Posilox par Clovis Duberlet. Je vous parle du 24.